Paris, ville lumière, la ville s'apprête à accueillir le président de la transition du Gabon. Ici en Île-de-France, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema est attendu pour un séjour officiel de travail et d'amitié, le tout premier depuis son accession au pouvoir. Je suis en joie. Je suis très, très, très contente. Nous sommes fiers. Pourquoi ? Parce que les choses ont changé. Dieu bénisse le Gabon. Les Gabonais de la diaspora sont avec lui. Les jeunes sont avec lui. Jusqu'au bout, tous nos espoirs sont sur lui. On espère vraiment que notre pays va changer. Il sera le meilleur au monde, comme on l'appelle. 7 mois après son accession à la tête du pays, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema entame ici sa toute première visite officielle en France, où il est accueilli dans la liesse populaire par les Gabonais de la diaspora. C'est vraiment une joie immense pour nous. Nous avons tant rêvé sa présence ici et ce jour, c'est une réalité pour nous. Nous sommes très enthousiastes, très contents de savoir que le président de la République, malgré son séjour d'affaires, a pensé à venir dire bonjour à la diaspora gabonaise de France. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour lui rendre cet hommage en retour de ce qu'il a fait pour nous, le peuple gabonais. Et comme il l'a toujours dit, et comme nous le répétons aussi, c'est en fait notre sort vers la félicité. Le chef de l'État a reçu le nouvel ambassadeur au représentant de la République gabonaise près la République française. Au cours de l'entretien, la diplomate a reçu des orientations et des directives précises pour une meilleure gestion du personnel affecté à la représentation diplomatique. Redynamiser le partenariat économique avec la France, mais aussi évaluer la mise en œuvre du plan national de développement pour la transition. C'est l'objectif poursuivi par la première édition du Forum économique France-Gabon. Pour le président de la transition et sa suite, l'opération est un succès. Un coup d'essai pour un coup de maître. Le premier forum Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,1 milliard d'euros, dont les MOU irrelatifs vont être signés en votre présence. De façon détaillée, il s'agit de deux protocoles signés avec le gouvernement français. La déclaration d'intention portant sur l'appui au programme de remise à niveau du Transgabonais, PRN. La déclaration d'intention relative au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Ce sont également, Monsieur le Président, plusieurs autres documents contractuels qui vont être signés avec les entreprises françaises et gabonaises, à savoir le protocole d'accord sur le développement de la concession du chemin de fer transgabonais, dont le montant à mobiliser par l'État gabonais et la CETRAG est de 470 milliards de francs CFA. Le protocole d'accord pour le projet de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau entre le groupe Suez, EPAM Saint-Gobain et la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour un montant de 118 milliards de francs CFA sur 5 ans. 739 milliards de francs CFA consacrés aux projets prioritaires ont été mobilisés au cours de ce forum. Plus de 600 chefs d'entreprise du Gabon et de France ont fait le plein de ce rendez-vous économique qu'a même refusé du monde. Sur le volet économique et social, nous avons relancé des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix
pour les investissements étrangers. Certes, la part de marché des opérateurs français a diminué ces dernières années. Mais il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Le Forum de Paris a donc permis de rassurer l'opinion internationale et la kyrielle d'investisseurs présents sur le climat des affaires au Gabon, terre d'opportunités, aujourd'hui encore prête pour un partenariat nouveau avec la France. Dans cette cour mythique de l'Élysée, le président de la transition effectue ses premiers pas d'homme d'État. En cette journée particulière, le général Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre une nouvelle page de l'histoire du Gabon, comme il s'y était engagé à son arrivée à la tête du pays avec le CTRI. Aujourd'hui, au palais de l'Élysée, où il est reçu avec les honneurs militaires, c'est un tout nouveau chapitre de la relation historique avec la France que le général Brice Clotaire Oligui Nguema entame aux côtés du président français Emmanuel Macron. Plus de 739 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ce premier séjour officiel. À l'opposé des 14 années précédant le coup de la libération, les 9 premiers mois du président de la transition à la tête du Gabon ouvrent des perspectives prometteuses pour la nation vert, jaune et bleu. Préservation de la biodiversité, examen du partenariat économique, point d'étape de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel pour l'avenir et pour l'histoire. Ce jour, le Gabon et la France se concertent. Sous l'impulsion de son leader, la nation gabonaise, désormais reconnectée avec son histoire fondamentale, depuis le coup de la libération, apparaît ici. Plus sûr d'elle que jamais, avec le soutien du peuple, en parfaite symbiose avec ses aspirations légitimes et prête à entamer sa nouvelle marche vers le sommet, en direction des temps heureux rêvés par nos ancêtres. Aux quatre coins de cette enceinte bondée de monde, l'artiste Isaac John entonne l'hymne national La Concorde. Au son de ce chant patriotique qui résonne, la rencontre avec la diaspora gabonaise est à ce jour l'une des plus animées du président de la transition à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Nous nous sommes engagés à restaurer nos institutions afin qu'elles deviennent des outils au service du peuple gabonais. Pour le peuple et rien que pour le peuple. Maintenant, pour ceux qui pensent ou qui y croient à une révolution des palais, si révolution des palais veut dire restaurer les institutions, je l'accepte. Si révolution des palais veut dire rendre aux Gabonais leur dignité, je l'accepte aussi. Si révolution des palais veut dire faire un coup de libération sans effusion de sang, ne pas tuer les Gabonais, éviter que le pays ne sombre dans le chaos, je l'accepte également. Particulièrement chaleureuse et ponctuée par 8 interventions, les retrouvailles de Paris se sont offertes comme un cadre d'échange et d'engagement citoyen. Le gouvernement de la transition s'attelle à répondre rapidement aux préoccupations multiples du peuple. En 9 mois seulement, je dis bien en 9 mois, nous avons pu réaliser des projets majeurs tels que les routes, les voiries urbaines, le rétablissement des bourses scolaires, l'accès aux médicaments, aux logements sociaux,
la construction des casernes des sapeurs-pompiers dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays, l'accès à Internet, à la radio et au téléphone dans les zones dites reculées de nos départements à l'intérieur du pays. Hier encore, réfractaire aux velléités d'ouverture, plusieurs compatriotes ont été séduits par la tonalité de ce discours empreint de pragmatisme du nouveau leader du Gabon. Parmi les 1000 recommandations du dialogue national inclusif figure la création du Haut Commissariat de la diaspora. J'adhère et je vous invite à réfléchir dès maintenant au statut de cet organe. L'État y mettra un fonds. Devant l'ensemble des compatriotes de la diaspora ce jour, le président de la République a reçu le rapport consolidé des projets inscrits sur ACOMA, une plateforme dédiée. Le 30 août, que le CTRI a réalisé pour vous, est un coup de la libération contre l'ancien régime et non une révolution contre nos partenaires. Je ne vous conduis pas dans ce combat. Nous avons libéré notre pays et on doit le construire ensemble avec les partenaires qui nous accompagnent et les partenaires qui respectent également notre souveraineté, notre indépendance économique. Ce coup de la libération, nous l'avons fait pour vous. C'est pourquoi, dans les heures qui ont suivi notre prise de pouvoir, nous vous avons invité à rejoindre le pays pour construire avec nous le Gabon nouveau auquel nous rêvons tous. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas construire un Gabon différent avec une diaspora indifférente. Comme une opportunité unique, le général Brice Clotaire Oligingema a rappelé le rôle essentiel des Gabonais de France dans l'édifice nouveau du Gabon. Paris, avenue Franklin Roosevelt. En séjour officiel dans la capitale française, le président de la transition a tenu à visiter ce bâtiment, propriété de la liquidation de la compagnie aérienne Air Gabon et donc de l'État gabonais. La structure abrite aujourd'hui les services du Conseil gabonais des chargeurs. La réhabilitation de la bâtisse est un impératif pour le général Brice Clotaire Oligingema. Son objectif, la rétrocession à la nouvelle compagnie aérienne Fly Gabon pour la relance du transport aérien dans notre pays et la transparence sur les ressources générées par cette infrastructure situé au cœur de la capitale française. Des missions de contrôle devraient donc être diligentées incessamment sur le site pour la réhabilitation dans les meilleurs délais. Pour sa première visite officielle en France, le président de la transition a inscrit à son agenda cette rencontre avec les stagiaires et personnels des forces de défense et de sécurité affectés dans l'Hexagone. L'objectif affiché ici est de renforcer l'attrait de ces personnels pour des formations de qualité, mais aussi d'améliorer le quotidien du soldat. RN, commune du département de la Somme dans les Hauts-de-France. La ville vit ce dimanche un culte chrétien particulier. La commune, la seule de France à disposer d'un monument dédié à un fils du Gabon, accueille aujourd'hui pour la première fois le général Brice Clotaire Oligingema, le président de la transition et chef de l'État de la République gabonaise. Cet événement pour moi, c'est l'histoire, c'est le souvenir. Et aujourd'hui, nous voulons que le peuple français se souvienne que le capitaine Tchoréré a une patrie. Il vient bien de quelque part. Et que quelque part, c'est le Gabon. Lié par le destin et par l'histoire depuis ce jour tragique,
du 7 juin 1940. Le Gabon et la commune des Rennes ce jour célèbrent un soldat tombé au champ d'honneur pour la France. Après 3 jours et 3 nuits d'intenses combats, le capitaine Charles Ntchoréré. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis gabonais, vous êtes ici chez nous, vous êtes ici chez vous. Au cours de cette deuxième guerre mondiale, dans l'Hexagone, qui a ouvert plusieurs lignes de front, vous et vos frères d'armes avez défendu héroïquement la vie des Rennes pour que triomphent les idéaux d'un monde libre. Par votre courage, votre esprit de sacrifice pour les causes nobles, vous n'honorez pas seulement la France pour laquelle vous êtes battu, mais aussi le Gabon, cette terre qui vous a vu naître le 16 novembre 1896 à Libreville et inculquer des valeurs d'honneur et d'unité à l'instar du guerrier Wango. Officier gabonais à la carrière peu commune, le capitaine Ntchoréré, 84 ans après son exécution, reçoit ici pour la première fois, en ces lieux témoins de l'histoire, l'hommage d'un haut dirigeant venu du Gabon, sa terre natale. Et je vais commencer déjà à saluer l'excellente relation de coopération que nous avons avec la France et aussi avec la ville d'Erin, et qui abrite ici le monument de Charles Ntchoréré, qui est un héros national, qui a combattu les valeurs de liberté. Et en tant que frère d'un militaire, je ressens ce qu'il a fait. Et je vis la même chose que ce que nous avons fait le 30 août 2023 pour notre pays. On défend les mêmes valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde. Et j'ai tenu à être ce premier chef d'État gabonais à venir honorer sa mémoire ici à Erin. Au pied de cette stèle érigée en 1965, la patrie gabonaise reconnaissante salue la mémoire d'un illustre compatriote entré par la grande porte au panthéon des immortels. Héros un jour, héros pour toujours. C'est la toute première audience accordée par le président de la transition au sortir du Forum économique de Paris, Franck Riester, le ministre délégué en charge du commerce extérieur et Alexis Lamecq, l'ambassadeur de France au Gabon, sont venus faire le point de cette rencontre économique qui a mobilisé plus de 600 chefs d'entreprise et 739 milliards de francs CFA d'investissement destinés aux projets prioritaires en faveur des populations du Gabon. Le PDG du groupe Eramet est venu confirmer l'engagement de la Comilog, filiale du groupe français Eramet, en soutien à l'œuvre de construction du Gabon nouveau. Nous avons débattu du partenariat que nous avons ensemble. Eramet et l'État gabonais sont associés au sein de la Comilog et de la CETRAG depuis 30 ans. Et c'est un partenariat fructueux qui a montré beaucoup de bénéfices et qui a beaucoup grossi sur les 5 dernières années avec de très gros investissements de la part d'Eramet. Nous avons encore des gros investissements à venir, beaucoup d'opportunités sur le marché du manganèse à saisir. Et donc nous sommes convenus de continuer à travailler de façon constructive et transparente ensemble et d'avoir un dialogue constant pour éviter qu'il y ait des quelconques aspérités dans la relation qui devraient donner les plus grands bénéfices dans le futur. Député du Haut-Rhin et délégué national de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuchs est venu discuter des nouvelles opportunités de développement pour le Gabon au sein de l'espace francophone. J'ai beaucoup de respect pour la façon dont le président mène la transition. Et c'était la troisième fois qu'on se rencontrait. Et on a beaucoup parlé du rayonnement du Gabon, bien sûr du dialogue national, bien sûr, mais également du rayonnement du Gabon dans le reste de l'Afrique et du monde. Et l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été saisie d'une demande, d'une mission par ses membres parlementaires pour accompagner, renouer le dialogue entre l'Union africaine et le Gabon, donc c'est une mission duquel on va se saisir dès aujourd'hui. Expert en matière de gestion forestière, Luc Auguin, le PDG du groupe Rougier Afrique International,
est également venu dire tout l'intérêt de sa participation à l'édifice d'une nation gabonaise plus prospère pour ses habitants. On a beaucoup de perspectives en fait, de développement qui vont à la fois en fait, mieux valoriser les productions que l'on fait, aussi générer des emplois importants dans certaines régions, de certaines provinces en fait, du pays. Engagé dans de grands projets d'infrastructure au Gabon, l'industriel Meridiam, lui aussi, est venu confirmer ses ambitions pour le renforcement de sa contribution au développement national. En échange avec le président concernait les investissements que Meridiam a au Gabon dans les quatre projets d'infrastructure dans lesquels on investit, la CETRAG, le port minéralier, le barrage de Kingélé et la SAG, et notamment pour discuter de la finalisation et la livraison complète de cette route le plus rapidement possible. Le président du groupe Orano Mining également a tenu à rencontrer le président de la transition à Paris. Je représente la société Orano Mine qui a une filiale au Gabon depuis plusieurs décennies qui s'appelle Comuf. Orano a exploité des mines d'uranium au Gabon et a également fait le réaménagement de ces sites et continue à suivre ces sites-là. Et nous avons discuté de projets, à la fois le fait que Orano agissait comme mineur responsable et poursuivait le suivi environnemental de ces sites-là. Et nous discutions aussi la possibilité de permettre à d'autres sociétés de poursuivre les travaux d'exploration sur ces gisements. Et donc, nous avons défini avec son excellence comment poursuivre les travaux et les discussions. Et c'est un entretien qui était très positif de ce point de vue-là. Pour le président de la transition à Paris, les journées se succèdent et s'enchaînent au rythme des entretiens avec les investisseurs pour un seul idéal, le bien-être des Gabonais. De partenariats historiques, c'est de ça qu'il s'est agi à Paris, entre le président de la transition et l'investisseur Total au cours de cette audience. Avec le président, nous avons pu parler du partenariat historique entre le Gabon, la République du Gabon et Total Energy. On a parlé de divers sujets, de sources d'investissement, à la fois bien sûr nos investissements dans le pétrole, le fait qu'on arrive à maintenir la production, la main un peu remontée à 20 000 barils par jour. On a parlé des futurs projets qu'on pouvait avoir dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines. Présent au Gabon depuis plus de 90 ans, Total Energy, qui œuvre dans le secteur des hydrocarbures, s'engage désormais dans d'autres domaines. On est aussi, nous, en stratégie de transition, donc on s'intéresse au Gabon aux énergies renouvelables, notamment on a parlé hydroélectricité, avec un premier projet qu'on pourrait arriver à développer ensemble. Et puis, on a parlé aussi forêt, puisque Total Energy est devenu à 49% actionnaire de la compagnie gabonaise du bois. Et donc, comment on peut investir et préparer, et j'ai proposé au président de prendre une initiative sur les crédits carbone, parce qu'on en parle beaucoup en Afrique, comment transformer cette forêt en une source de revenus au-delà de l'activité forestière elle-même. Et le président était intéressé par ces idées. La relance de la radio Africa numéro 1, une question de souveraineté pour le Gabon. Introduite par la ministre en charge de la communication, la nouvelle correspondante de la station panafricaine pour la diaspora en France a été reçue par le président de la transition. En compagnie de la première dame, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema a quitté la capitale française. La fin d'un premier séjour français couronné de succès, la diplomatie, l'économie, un séjour sur le plan diplomatique et économique, un séjour marqué du sceau et de l'empreinte des ambitions du CTRI pour le Gabon, éblouissante et fière, le Gabon nouveau.